Donc voilà, pour vous montrer plus simplement le masque fonctionnel avec toute la panoplie, les réglages, tout ça. C'est franchement plutôt simple, hein. Donc on a les deux filtres qui sont installés sur les côtés, comme vous avez vu dans toute la présentation de la vidéo, de la manière dont c'était fait. Je vous ai passé le montage, hein, simplement. Donc comme vous le voyez, on peut quand même parler. J'espère que c'est compréhensif à un minima. Vous avez deux filtres, donc qui sont dans les pochettes, que vous ouvrez comme la bouffe normale. Vous les placez, donc vous les mettez à la verticale, un cran en arrière, ça se bloque. Sur le dessus, vous avez les filtres blancs avec toute la panoplie de tout ce qui est noté, à savoir un petit peu les minimums d'informations qu'il y a. Et sur le dessus, pour regrouper encore, vous avez un cache plastique qui se rajoute. Après, à l'arrière, vous avez un système qui vous fait une sangle sur le côté qui monte en deux parties à l'arrière et une troisième qui se plug à l'arrière avec un petit bloc comme ça, donc très simple, hein, vous avez juste à mettre l'anneau à l'arrière, vous verrouillez. Et voilà. Donc en tout cas, sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va clôturer comme ça, c'est plutôt cool. On est sur quelque chose de fonctionnel, pas compliqué de respirer. Donc autant avec la bouche qu'avec le nez, les deux, sur ça, il n'y a pas de problème. Ça fait bonne pression ici pour savoir si justement le masque est bien installé. Vous mettez la paume de la main sur la partie où il y a l'air qui ressort. Et si vous avez des fuites d'air qui remontent, c'est que c'est pas assez serré. Moi, dans mon cas, ou pas assez bien positionné, ou dans mon cas, ici, là, à gauche, ça remonte un peu parce que là, c'est pas assez serré. Voilà. Et là, on est bon. Voilà. Ciao, ciao!